Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Bienvenue sur Suban. Et ici, nous sommes dans un témoignage puissant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Et comme vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification de sorte à recevoir toutes les notifications sur la sortie de nos prochaines vidéos. Depuis la disparition de cette star qui a le camp, beaucoup de personnes font des révélations. Et parmi ces personnes, aujourd'hui, il y a un de ses collègues qui se trouve même là-bas, qui va nous révéler des choses graves sur l'une des compagnies à ses stars. Ce sont des choses étranges, des révélations hors du commun. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Avant de juger, nous devons d'abord écouter. C'est parti. Pourquoi j'empêchais qu'Arafat marche avec ce dernier? Oui, parce que ce dernier est dans des pratiques occultes que moi je n'apprécie pas. Quoi? Pratique occulte? Sérieux? De quoi parle-t-il vraiment? Du genre, c'est ça, pour cette personne qui est là-bas, c'est ça, machin, avec une personne qui était dans les pratiques occultes. Sérieux? Est-ce que vous pensez que les pratiques occultes existent vraiment? C'est bel et bien réel, hein? Ce ne sont pas des choses bizarres. Mais pourquoi cette personne parle ainsi? Quelle preuve elle a? Bon, écoutons voilà, jusqu'à la fin. Mais mon ami était dans un esprit d'envie et tellement envieux, il voulait s'accaparer. Tu vois quelqu'un qui a les 10 dehors, comment il consomme, comment il a fait pour avoir ça. Toi, forcément, fallait qu'il te montre le réseau pour que tu maîtrises le réseau, enfin, de comprendre le réseau. Automatiquement, tu t'es accroché au gars. Le gars t'a emmené dans le réseau. Dans le réseau, là, tu penses qu'ils sont fous. Tu pensais qu'ils étaient fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un échange d'aura. Il y a eu un échange d'aura. Tu es arrivé là-bas, il a changé ton aura. Vous entendez ça? Qu'est-ce que vous avez dit cette affaire? Du genre, vous arrivez quelque part pour prendre quelque chose ou encore pour voir quelque chose. Et vous arrivez là, au lieu qu'on vous donne une chose intéressante qui va vous permettre d'évoluer dans votre domaine ou encore dans la vie. Eux-mêmes vont vous arracher quelque chose en vous pour leur propre compte. Ça, ce sont des choses bizarres qui ont lieu dans les sectes. Si ce que ces personnes ont été dit, c'est vrai, c'est que c'est terrible, hein? Ce sont les graves révélations, ça. Chérie, tu as donné pour toi, les ont récupéré. Et puis pour eux, ce qui est banaban, ils ont pris ton donné. Et le las, tu as commencé à compter si c'est qui t'ont donné. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, en guise de remerciement, comme ces disques d'or qu'ils voulaient, ils sont venus déposer ça en mode foutaise. Vous savez, moi, je suis quelqu'un. Je parle physiquement et spirituellement, je comprends certaines choses. Il y a eu un changement d'aura. Oui, un changement d'aura. Ce qui est bizarre, c'est des paroles du Kung Fa. Quand je me mets à parler, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprends après. Oui. Tu comprends toujours après. C'est même chose comme ma musique. Quand je sors une musique, tu es étonné, tu sais même pas, tu te demandes c'est quoi il a chanté. Mais tu comprends ça après. Oui. Du simple fait qu'il se collait à ce dernier. C'est-à-dire qu'il diabattait lui sa religion, c'est-à-dire sa coutume, ou un peu non, c'est-à-dire s'accrocher aux choses de ses ancêtres. Maintenant, toi, Arafat, toi, tu es né pour adorer ton Dieu. Ta coutume, tu ne la connais pas. Tu ne peux pas emprunter d'autres traces, un autre chemin qui n'est pas pour toi. Tu vas le suivre dans l'espoir de pouvoir briller et d'avoir certaines choses. Oui, tant bien qu'il t'aime, on t'envoie quelque part, on laisse des instructions et on te donne l'aura de la défaite et du déclin. Raison pour laquelle, quand tu as fait moto, il dit où tu es quitté, là où tu viens, il y a un certain déclin qui est derrière toi. J'ai exposé, j'ai expliqué. Personne n'a jamais compris et personne n'a vu. Je ne suis ni prophète ni voyant. Je vous dis qu'il y a des personnes que Dieu inspire. Mais quand je viens parler, on me prend pour un fou. On me dit non, Déborah, tu es un drogué. Déborah, tu seras drogué. Tu vas rester toujours drogué. Mais il n'y a pas de souci. Je prends ça comme ça. Je n'ai jamais adhéré à cette. Je dis bien adhéré. Jamais adhéré à cette. Cette affinité avec ceci dit qui diabaté. Jamais. Jamais. Même quand j'étais réconcilié avec Arafat, on était assis au 40-40.
Araba m'a demandé de saluer Sirigui Diabaté. Il a dit, mais quand de ma mère, si je salue ce dernier-là, moi, mon bonheur, mon loc, on ne bouge pas ça. Ah, comment est-ce que quand on salue quelqu'un, cette personne prend la bénédiction pour partir? Ce vieux, ah, c'est bonheur, c'est grâce, les gens appellent ça chance. C'est ça que cette personne a été d'appeler le loc. Ah, mais venons quoi en arrière, écoutons ça. Sirigui Diabaté, il dit, jamais, jamais, même quand j'étais réconcilié avec Arafat, on était assis au 40-40. Araba m'a demandé de saluer Sirigui Diabaté. Il dit, mais quand de ma mère, si je salue ce dernier-là, moi, mon bonheur, mon loc, on ne bouge pas ça. Waouh, vous avez entendu ça encore? Ça veut dire que eux, ils sont dans le milieu de l'industrie de la musique. Et ils se connaissent en eux. C'est-à-dire que si tu es dans l'industrie de la musique et que tu n'es pas protégé, tu n'as pas les yeux même spirituels, tu peux même tomber dans les problèmes. Parce qu'il y a des gens pour réussir qui sont entrés dans les bails noirs, dans les pratiques occultes. Est-ce que c'est ce que cette personne est en train de nous dire ici? Écoutez, c'est pas de la blague. Même une histoire où tu dois saluer quelqu'un et puis ta bénédiction va partir. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Nous voulons bien savoir ça. Une fois même, on était assis à la Ferrari. Il a soulevé une bagarre. Il voulait tomber sur l'élément, les manger. Parce que dans le spirituel, il sait ce qui se passe. Il sait ce que le gars est venu chercher en question. Qu'est-ce qu'il venait pousser sa tête, l'appeler tous ses groupes, on a Nyagami qu'on est sorti, ça Rafat même qui prenait sa défense. Vous voyez un peu. Donc, dans ce frère, sur ce volet là, c'est sur ce volet là, mon ami est parti. Et aujourd'hui, nous tous en 5 mois, c'est passé. Il y a eu un échange d'aura. Donne-lui ça, remettez-nous ça, nous embrasse ça pour lui. Et on dit non que ouais c'est coin. Mais il y a fort ça roule. Maintenant moi quand parti causer lui, il peut jamais de la venir tesser, jamais. Ça c'est un truc de ouf. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? On vient donc, on dit des platines. Et aujourd'hui je vois des Ivoiriens sur Facebook en train de me naguer avec des disques d'or et c'est dit qui diabattés, ils sont en train de me naguer, ils sont en train de m'insulter comme quoi nanani machin de Bordeaux, tu as 0 trophée et assez mort au détriment des CD qui diabattés, alors que moi de Bordeaux les confort. Vous devez m'armer de force et d'encouragement. Oui, afin de lutter pour rehausser aussi l'image de la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que moi, j'ai un combat. Mon combat, c'est pas entre nous les Ivoiriens. Mon combat, c'est de me battre avec toutes les nations. C'est un combat qui est international. Oui, me battre, aller chercher des trophées et venir rehausser l'image comme Sidiki Diabaté l'a fait. Mais le gars est tellement en confiance, il vient, il descend ici et se fout de moi, ma gueule de Bordeaux, les confins. Je vous ai animé pendant combien d'années? Peut-être que c'est un règlement de compte, finalement. Mais est-ce que nous devons tenir compte des révélations de ces stars? Vous savez que dans leur milieu, souvent, quand ils ont des conflits, pour peut-être créer le buzz, ils racontent tout et n'importe quoi sur quelqu'un. Mais il ne faut pas négliger que il n'y a pas de fumée sans feu. Si nous faisons de telles vidéos, c'est pour vous dire franchement, accrochez-vous à Dieu. Vous pouvez entrer dans un groupe, mais sans savoir ce qui se passe dans le groupe. C'est comme vous êtes dans un endroit où les gens sont là, tout le monde entre, mais vous ne savez pas qui entre ici. Et ce qui se passe. Maintenant, est-ce que vous pensez que ce que cette personne vient de dire est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Est-ce que vous pensez que cette star l'a dit juste pour se venger ou bien juste dans la colère? Ah! C'est quand même bizarre. Mais ce sont les choses qui sont quand même bizarres, étrangissimes. Aujourd'hui, on entend beaucoup de présidents qui disent que pour pouvoir être au sommet ou encore être président dans un pays, il faut forcément entrer dans une secte. Et cette loi-là est en train de plus en plus s'adapter à toutes les situations, tous les milieux. Et dans le milieu, celui qui est assis sur le trône ou encore celui où on dit qu'il est au sommet là,
celui qu'on dit qu'il voulait peut-être le roi de la pop ou bien le roi du R&B ou bien du rap. Cette personne n'est pas loin d'avoir des liens avec des pratiques occultes ou encore avec le diable lui-même. Vu les informations que nous voyons de plus en plus, ou même ces personnes-là elles-mêmes, elles viennent se confesser pour dire qu'elles ont vendu les âmes au diable. Ça, c'est pas nouveau, c'est très connu. Partout sur Internet, on voit ça maintenant. Mais dites-moi, dans le cas de ces stars, vous pensez-vous qu'il y a eu une organisation secrète qui a travaillé pour sa disparition? Réagissez dans la partie commentaire et nous allons découvrir beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que dans leur milieu, là-bas, les gens se bouffent. Ils se bouffent en eux. En tout cas, c'est vraiment terrible. Quand vous aimez l'argent, vous aimez la gloire, à un moment donné, vous chercherez à éliminer tout le monde pour être au sommet. Parce que c'est comme ça marche dans l'industrie du diable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez cette vidéo et dites-nous ce que vraiment ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et ne manquez pas aussi de regarder la vidéo qui apparaît sur l'écran ici. Vous apprendrez beaucoup de choses sur cette affaire parce que beaucoup de personnes en ont parlé et vraiment jusqu'à aujourd'hui, quand on voit les gens continuer à en parler, on se pose toujours des questions et ça reste tout de même un mystère que nous tenterons de résoudre à la suite de notre travail, à la suite du temps. Bon, ok, c'est parti pour la prochaine vidéo. Partagez-la et abonnez-vous.